Quoi? Allez. Saute, putain. Donc je suis à 367, c'est cool, hein? Il est relativement précis cet in-game timer. Bah c'était de la merde comme split ça. Allez, on se le fait tranquillement. Oink. Oh, cassez-vous, c'est pas possible. Je suis mécontent. Quasiment tout mon temps à sauver dans 1-2 quoi. C'est rigolo ça. C'est vraiment un jeu 3D, hein. Ensuite, il y a les passages en 2D, mais personne n'a, enfin jamais personne n'a interdit à un jeu en 3D d'avoir des passages en 2D. En tout cas, c'est mon avis. Ah, oh, les feux d'artifice, cassez-vous. Allez, 4-2. Moi, je l'ai pas mal regardé, hein. C'est vrai que bah, c'est un jeu couloir, mais... Il a pas le level design d'un jeu d'exploration 3D, ou d'un jeu de plateforme 3D, c'est vrai, mais ça reste un jeu 3D, quoi. Dans un style assez différent. Bah c'est vrai que c'est un peu 2,5D, c'est très linéaire. Mais le problème c'est que la 3D, je n'ai jamais voulu dire jeu d'exploration. Hein. Moi je suis assez contre les jeux à la Super Mario 64 où faut explorer dans le niveau, ça me fait chier. C'est une philosophie très différente des Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, Super Mario 64, c'est sûr. Hein. C'est pas parce que c'est différent que c'est pas bien. Ça s'est jamais dit, ouais, c'est le next plus ultra de la plateforme 3D. Hein. Ça a juste dit, bah, c'est Super Mario 3D World. Et c'est un jeu vraiment en 3D, mais qui ne répond pas au code que certains attendaient, je pense. D'où le débat. D'où le débat. Néanmoins, le jeu est vraiment en 3D. Le gameplay est vraiment en 3 dimensions, hein. La profondeur est pas vraiment de l'importance. C'est pas de la 2,5D avec un faux passage au dernier plan, hein, c'est vraiment... Quel mauvais temps. Allez, on essaye de pas mourir à l'infini. Eh ben. C'était lent, mais on est passé, on s'en fout. Allez, là, avec un peu de chance, on fait un bon temps.
Ça vous embouche un coin, hein? J'ai jamais joué à Splatoon. Ah, ça va être compliqué de faire mieux. Compliqué de faire PB ici. Oh, mais putain! C'est sérieux? Pas content. Vas-y, le poiscaï random. Et ouais, le niveau ne m'aime pas. Putain, casse-toi! Allez. C'est 29. Piparou paripapoum. Ah mais putain, faut que j'arrête de faire ça. Et là j'ai quand même, voilà, 13 secondes à sauver. Salut Totony. Ça dépend. Si ça passe ou pas. J'ai splitté mes gâteaux là, donc on s'en fout. Pila poupa loupa pila loupa.
Darky et Renault Zilot pour les gagnants de race. Darky deux fois. Pourquoi je saute pas par-dessus là? C'est bon, je suis pas obligé d'avoir peur à l'infini. Hein. Mm-hmm.